On fait quoi? Dame de pique, ça fait longtemps que j'ai pas joué à la dame de pique. Bataille navale, c'est pas intéressant. Enfin, en tout cas, cette interface-là n'est pas intéressante. Et j'ai pas forcément envie de chercher un gros jeu. Non, on va faire une dame de pique, on verra après ce qu'on fera ensuite. On va faire de la dame de pique. J'ai le live de 20h30 à minuit 15, ouais. Bah là, le live, il est lancé depuis 18h, mais c'était Ralga qui a live jusqu'à 21h, même si j'étais pas loin. Donc oui, parce qu'on est plusieurs sur Riversound, je suis pas tout seul, hein. Je chapeaute un peu tout, mais on est plusieurs à tourner dessus quand même. Et encore heureux, sinon une asso où il n'y a qu'une personne, ça poserait problème quand même. Hein. Donc non, on est plusieurs. On est une douzaine. On est répartis un peu partout en France. On est 5 de la région toulousaine, 3 de l'Indre-et-Loire, 1 du centre perdu de la France, 1 vers Orléans, 3 dans le nord, 1 de Paris, et 1 à moitié de l'Alsace-Lorraine, avec l'accent du sud. Les meilleurs jeux sont ceux les jeux de cartes. Ouais, j'aime beaucoup les jeux de cartes en vrai. Mais les jeux de cartes sans miser des sous, c'est pas intéressant. Je veux vraiment jeux de cartes tranquille. La dame pique, j'aime beaucoup. J'aime bien. Avant, quand j'étais plus petit, j'étais très sur la bataille, la bataille corse. Mais au final, ça m'a vite lassé. Et puis la bataille corse, à force, ça faisait mal. Parce que c'était l'époque lycée, la bataille corse, il y avait les défis. Tu perds, allez, tu prends un coup. C'était complètement idiot en plus, et irréfléchi et immature, mais bon. Je vais aller dormir, je suis fatigué, bonne soirée. Bonne soirée, Scoliac 6. Scoliac. Je t'appelais Scolia, je suis désolé. Bonne soirée, Scolia, repose-toi bien. Son père à Rouen. Ah, personne à Rouen, dommage, ça m'intéressait de fou. Personne à Rouen. Attends, j'essaie de situer Rouen. Rouen, Normandie, par là. Non, personne dans ce... Je connais des gens de là-bas, mais personne d'Iva Sound Studio de Rouen. Par contre, je suis jamais allé à Rouen. Caen, Rouen, Rennes, tout ça, c'est pas très très loin, c'est assez proche, non, géographiquement. Enfin, c'est pas trop loin, si, enfin, moi, je suis loin, mais je vois, oui, je situe. Mais non, je connais des gens, mais j'y suis jamais allé là-bas. Ouais, repose-toi bien, Scolia. Skol, c'est pas bête, ça, d'appeler Skol. Ouais, mais Skol, c'est une marque d'alcool. Pourquoi je connais ça, moi? Je devrais pas. Rouen, c'est une ville sublime. Ça va, les chevilles? Tu dois être de Rouen, non? Enfin, tu me dis ça, mais si vous me parlez de Toulouse, je vais dire la même chose. Donc, Je connais vraiment pas Rouen. Mais pas du tout, du tout. Bah, du coup, curieux, ouais. Quand un jour, je ferai mon petit tour de France, des départements, des villes, en mode gros touriste, je passerai sûrement dans ce bled-là. Et ce serait en mode gros cliché, touriste, appareil photo, à prendre tous les murs en photo, toute l'architecture. C'est long là, il n'y a personne qui joue à la Dame de Pique ce soir. Pourtant c'est un jeu assez réputé sur Board Game Arena. C'est étrange. Bon, en attendant que ça cherche la partie, il y a quoi en prochain stream par ici? Demain soir, stream sauvage qui était absolument pas prévu, mais qu'au final il va y avoir quand même parce que je repousse des choses à demain soir et que la vraie fin de la campagne c'est demain soir. On fera un vrai bilan à ce moment-là. Donc papotage, mini-jeu et lecture demain soir. Lundi, pas de stream parce que lundi, avec toute l'équipe, on est en réunion. Bilan de l'année plus bilan de la campagne. Mardi. Comme tous les mardis soirs, c'est Mardi Va Sound. Hop là. C'est des jeux en communauté. Donc, c'est plusieurs gens d'Iva Sound, mais aussi des gens qui, autour d'Iva Sound, des viewers, des viewers, qui jouent avec nous. On est tous en vocal sur Discord. Tous et toutes. Et. Tac. On est en vocal sur Discord et bien souvent on est sur des jeux de société le mardi soir, mais pas que, des fois on est aussi sur du Among Us. Et l'idée c'est de développer des compétences autour de ces jeux-là, mais en groupe avec les viewers et viewers en les intégrant à ce qu'on peut faire. Bref, là. Le programme n'est pas tout à fait défini la semaine prochaine, mais sûr et certain, on retrouvera Super Monkey Ball, Banana Blitz,
Enfin, j'espère terminer ce jeu pour de vrai. Il me reste un monde à faire. C'était un monde bonus. Donc j'espère que ça va pas me prendre 2 heures. Je suis très nul dessus. Mais nul. Vous pouvez pas imaginer. Mais quand je commence un jeu, j'essaie de le terminer. Il y en a un seul que j'ai jamais terminé en stream. C'est Toki. Mais c'était pas possible. À un moment donné, c'est la saturation possible. Mais là, Super Monkey Ball, il me reste un monde. Donc moi, ça devrait le faire. J'ai pas de trèfle là. Du coup, on va virer un cœur. On retrouvera aussi du Mario Golf. Mais cette fois, pas la manette. Mais vraiment avec les gestes du golf. Je vais sûrement me péter le dos. Mais c'est pas grave. Ça sera drôle. Pourquoi il a joué l'as de cœur? Il va récupérer. Il essaye de faire le 100%. Qui c'est qui a remporté les plis d'avant? Oh punaise, il veut marquer les. Oh, c'est vicieux. De toute façon, il remporte le pli là, il a pas le choix. J'ai passé des vacances à Toulouse. Toulouse, c'est Rouen, mais en plus étendu. Oui, bah Toulouse, c'est la 4e ou 5e ville de France. Rouen, c'est plus compact et il y a un plus gros bagage historique. Ah ben ça m'intéresse déjà plus, tu vois. Qu'il y a un centre historique plus facilement accessible, ça m'intéresse pas mal. Je me déplace surtout à pied et à vélo, donc ça m'intéresse. Vous avez l'aéroport. Ouais, je prends pas l'avion, donc... voilà. Mais oui, c'est un des plus gros aéroports de France, ouais, ça c'est clair. Il est stylé. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'aéroport, ça fait un an et demi maintenant. Et avant ça, ça faisait plus de 10 ans. L'avion, je le prends que strictement en dernier recours, dernière urgence. Parce que j'aime pas l'avion. J'aime vraiment pas ça. Mais c'est qu'il est en train de nous ninja toutes les cartes, le Panekoex 123. Ah, punaise. Il veut nous rebalancer les points en divisé en 3. Ah, mais quel enquiquineur, celui-là. Je vais me sacrifier pour l'équipe. Je prends le pli. Mince, ils n'ont pas joué de cœur. Et il sort la dame de pique à ce moment-là, lui. Oh, mais jouez bien les gars. Vous voyez bien que le jaune il est en train de récupérer toutes les cartes. Et là je peux rien faire d'autre. Il a gagné. Bah oui, bien sûr qu'il a gagné. Personne n'a du trèfle là. Carreau. Allez. Ah, il y a le vert qui a remporté un pli. J'ai pas fait gaffe s'il avait mis des points dedans. J'espère. Dernier du pic. GG au jaune, en tout cas, il a très bien joué. Et du coup, bravo le vert, sacrifice pour l'humanité. Et donc le jaune ne nous a pas... il nous l'a pas mis dans le vert. En fait, l'idée de la dame de pique, c'est d'avoir aucun point. Mais si on récupère tous les points, sans exception, bah, les points sont redispatchés sur les 3 autres adversaires. Hyper stratégique. Entre la cathédrale et les dizaines d'autres bâtiments religieux et tous les bâtiments centrés sur la pucelle d'Orléans, j'ai oublié son nom, Jeanne d'Arc. Jeanne! Au secours! J'irai le 10 de... cœur. C'est vrai que Jeanne d'Arc, elle est pas mal passée de ce côté là-bas. Je m'en souvenais plus de ça. Du coup, oui, il doit y avoir une énorme histoire de la ville. Bon, je suis obligé de commencer par le 2 trèfle. C'est la personne qui a le 2 trèfle qui commence. J'ai pas le choix. On l'a surtout fait cramer sur... Ah oui, c'est vrai que... Oui. Oui. Mon dieu, les cours d'histoire qui remontent, là. Ils ont joué quoi, Pic? Il y a du valet. Je vais placer le 10. Carreau. Bah j'en ai qu'un, j'ai pas le choix. Trèfle. Il essaie de re-récupérer les plis ou pas? Je regarde.
Il va tenter. Il va retenter de les plis. D'accord. Pour l'instant, c'est un clean des trèfles. Hein. Le 2 de pique. Je vais remporter la main, là, j'ai pas le choix. Vu que mes piques sont supérieurs, donc je me prends le valet, donc obligatoirement, il vaut mieux jouer. Enfin, obligatoirement, c'est mieux de jouer le pique le plus élevé. Sauf si c'était la dame. Donc, mon 9 de pique, je prends un point. Et normalement, du coup, les points ne seront pas dispatchés parce que je crois que le jaune en a récupéré aussi. C'est à moi de jouer. Je vais casser un peu tout ça. Je vais mettre un 2 de cœur. Du coup, il y a quelqu'un là, parmi les adversaires qui sera obligé de récupérer toute la main de cœur. Donc là, autant en profiter de virer sa main. Donc, ce qui est le bleu a fait. Le bleu a récupéré la main. Enfin, un pli. Donc, les points sont déjà dispatchés. Donc, sûr et certain, le jaune ne fera pas le all-in. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai bien envie de tâter une partie d'un pli. Bah, si tu veux, à la prochaine, je mettrai le lien dans le chat et tu rejoins sans problème. Carreau, mais j'ai rien à jouer en carreau. Donc, autant mettre des points. Ah, il y a le vert, il a dit come on man dans le chat. Carreau encore? Allez, tiens. Les petits cœurs sont partis. Normalement, c'est moi qui ai la plus petite carte de cœur de toutes les mains. Trèfle. J'ai pas le choix. Elle est sortie la dame de pique. Je l'ai pas vue. Hein. C'est moi qui ai pris la main. Oh punaise. Le pli, pas la main, le pli. Ah, il me donne la. Attendez, qui c'est qui a pris le pli à la fin, là? Le vert. Bon, ça va. Bah oui, j'ai que 2 points. Ça va. Nickel. Je suis obligé de finir la partie avec eux pour l'instant, donc je te mets le lien juste après. J'aime pas avoir beaucoup de piques dans la main. Oh! Il me refile la dame de pique et l'as de pique. Il est gentil. Et j'ai le 2 de trèfle. J'aime pas commencer la dame de pique. Tranquille, j'ai tout mon temps. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si je joue la dame de pique, je vais me faire avoir. Donc, 9. Petit 9 de pique. C'est le bleu qui a pris le pli. Il joue carreau. Le jaune. Et là, il joue le pique. Le 4 va sortir, donc ça devrait être bon. Non, sort le 4. Ah bon, ça va. Le 10. Bon, ça va. Trèfle, trèfle, trèfle. Ouais, il y a un valet, autant jouer le 8. J'ai peur qu'il se fasse trop plaisir encore une fois le jaune. Même si là il y a le bleu qui a pris un pli. Mais je crois pas qu'il y avait de points dedans. L'as de cœur. Ok d'accord, il est en train de refaire la même. Il va... Mais je peux pas... Là on n'a pas le choix que de jouer des cœurs monsieur. Bien sûr que tu prends le pli. Vilaine personne. C'est quoi ton drapeau? Netherlands, Pays-Bas. Et tu parles quoi? Anglais et néerlandais. Ok d'accord. Le vert a pris des points, du coup c'est bon, ça va être dispatché. Donc, c'est la sécurité. Mais j'ai encore une dame de pique à placer. Hein, que je vais placer maintenant d'ailleurs. Oh. Tiens le jaune. Prends les 13 points de la dame de pique. Carreau. Bah je me vire mon as de pique. Hop là, poubelle. Trèfle. Je sors le 6. 9 de trèfle va sur le 5. Et enfin, dernière carte. Il y a juste un point qui sort.
J'ai 0, c'est bien. Et le jaune vient de manger 21 points dans les dents. L'idée, c'est de pas avoir de points, encore une fois. Sauf, ou alors de tous les avoir pour les dispatcher sur les autres joueurs. Il vient de tomber à 53. Hein. Il a pris une claque, là, sur ce round-là. Donc là, on ne fait pas passer les cartes. Pas besoin. Pas besoin du tout. Ça fait du clean, direct. Mais il faut jouer du trèfle. Donc le jaune n'a pas de trèfle. Vu qu'il sort ça, ça veut dire qu'il n'a absolument pas de trèfle. Donc je vais virer la dame. Normalement, ça aurait bien se passer, voilà. Du pic. Bah j'en ai qu'une, hein. Je n'en ai pas 50. Ouf, ça va. Du carreau, j'en ai qu'une. Je vois pas, les points ne sont pas encore sortis. Les points ne sont pas encore sortis. Et là, du carreau encore. Je vais casser, je vais mettre l'as de cœur. J'ai peur qu'il retente d'avoir tous les points à chaque fois. Il faudrait qu'il change de stratégie. S'il fait tout le temps la même chose, c'est bizarre quand même. Ouais, je vais mettre le valet, il y a le roi qui est là. Du trèfle. Que va jouer le jaune? La dame de pique? On va jouer petit alors, mais 2, 3, 5, est-ce qu'ils sont sortis les 2, 3, 5 de trèfle? Je sais pas. 4 de trèfle, il est sorti, ouais. C'est punaise, j'ai pris la dame de pique. Allez, mange 13 points, Jake, génial. Je suis content. Et je peux pas récupérer tous les cœurs parce que le jaune en a déjà récupéré. Vilaine personne. Mais en plus, il a... Comment il s'appelle? C'est le pingouin de... Dans Adventure Time. Ah, oh, j'ai plus son nom, c'est le pingouin du roi des glaces. J'ai plus son nom. Qu'est-ce que je joue? Alors, si je joue le 5, 2, 3, 4. Ah, oh, je peux me manger les points avec ça. Je tente quand même. Ils vont être gentils. Quelqu'un va être stratégique. Ah, il avait pas de cœur. Mince. C'est peut-être une mauvaise idée en fait. Le joueur bleu est en train d'hésiter. Ah, dame de cœur, ok. Bon, ben c'est bien. C'est lui qui a pris les points. Tant mieux. L'as de pique? Oui, ben en même temps, la dame de pique est partie. Donc oui, t'as raison. T'as complètement raison. Mais moi, j'en ai pas de trèfle, de pique, pardon. Donc hop là. Allez. Je t'offre des points, c'est gratuit. Si, il a un nom, le pingouin. Il a clairement un nom, mais je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure dans ma tête. Mais je... Ça va revenir comme une élimination dans 2 heures. C'est souvent comme ça. Comment il s'appelle? Gunter. Mais oui, tout à fait, t'as raison. C'est ça, il s'appelle Gunter. Ce pingouin, là. Du trèfle, là. Allez, c'est pour ma pomme. Allez, normalement, c'est bon. Non! Oh, les vilains. Bon, les 3 derniers plis sont pour moi. Oh, le petit, un petit coup de lag, là. Allez, c'est pour ma pomme. 17 points. J'ai pas été bon sur cette manche. Et le jaune qui en prend 0? Punaise, il a géré. Qu'est-ce qu'on enlève? L'as de cœur. Et les deux dames. On enlève les deux dames. Hop là. Trèfle. J'y pense. The Gorgasm. 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 The Gorgasm. Il te faut un compte sur Board Game Arena. Sinon, tu pourras pas rejoindre. Donc, fais-toi déjà. Fais-toi déjà un compte. Ouais, il m'a j'ai récupéré la dame de pique. Appelle-moi Aurel. Ouais, ça sera plus simple. Aurel. Hop là. Si je sortais la dame de pique, je vais m'handicaper. Hein. Non, mais arrêtez de jouer pique.
Arrêtez de jouer pique. Il a mis l'as, sérieux. Non. Mais non. Je suis obligé de la mettre, j'ai pas le choix. Allez, c'est pour ma pomme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les plis? Oui, ouais, bon, c'est bon. Je pourrais pas tout récupérer. Tant pis. Allez, un 2 de cœur. Comme ça, on casse un peu les cœurs. Dix. Cœur, ok, 10-3. 2-3, 10-3. Donc lui, il était sûr de pouvoir jouer son 4. C'est... ouais, ok. Trèfle, j'en ai plus qu'un trèfle, j'ai pas le choix. Oui, je sais que c'est pas mon tour, j'ai cliqué trop tôt. Carreau. Est-ce qu'on tenterait pas de mettre un valet? Au bluff? Joli bluff. Il y a pas mal. La dame de pique est partie, les cœurs sont pas mal partis. Je vais continuer dans cette lancée là. Oh punaise. Ah pardon, j'avais pas vu le cœur. Allez, le pli pour moi. Ça lagouille un peu hein, sur le serveur. 17 points. Oh, ça fait mal. Je suis en train de rattraper le vert. Je viens de passer devant, enfin derrière le vert du coup. Je m'approche du jaune, c'est pas bon ça. Alors, on donne quoi? Un as de trèfle, oui. Une dame de trèfle. Et un roi de cœur. Ah oui, oui, on le donne, oui. Je vais garder les valets. 3 valets, c'est quoi 3? 3 déjà, c'est quoi? C'est un brelon, 3 cartes? Il me semble, hein. Je me demande s'il y a le jeu du président. J'ai pas à vérifier, faudra que je vérifie. C'est rigolo aussi le jeu du président. Il sort les trèfles. Allez, on tente. Brelon, ok. J'avais déjà un compte. Bah parfait alors. On va continuer les trèfles, comme ça je n'en ai plus et je pourrais recasser par derrière les cœurs. Mais en même temps j'ai qu'un seul cœur, si je casse le jeu. Et il a mis l'as en plus, il récupère. 9 de pique. 10 de pique. 6 je mets le valet. Il peut mettre la dame et récupérer la main, ce qui serait pas intelligent. Donc la dame va pas forcément sortir maintenant. Donc c'est bien que je sorte mon valet. Voilà, le roi est parti. Donc là, je suis tranquille. Et là, c'est ok. Donc là, la carte à la plus haute de pique qui reste en jeu quelque part, c'est la dame. On va falloir se méfier de la dame de pique. Carreau. J'ai un roi de carreau, quoi. Mettre le valet, l'as. Ah, j'aurais pu mettre le roi. Petit carreau. Je crois que je vais me trimballer le roi de carreau pendant un moment. 7. Attends, mais j'attends. 3, 4, 5, 6. Le 2 de carreau, il est sorti? Oui. Donc ça veut dire que le 8, je peux le mettre. Non. Il y a encore... Oh punaise, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était bon. Là, de toute façon, c'est tous ces là, c'est les plus petites cartes de carreau. Donc normalement, c'est bon. Sauf s'il n'y a plus personne qui a du carreau, et ça, par contre... Il n'y a plus personne qui a du carreau. Il n'y a plus une personne qui a du carreau. C'est-à-dire que si, peu importe le carreau que je mets là, je récupère les plis. Bah, je tente le cœur. Bah, j'ai cliqué sur le 3. Bon, bah, je fais n'importe quoi. Président mes années lycée. Ouais. Président mes années collège et lycée, moi. Qu'est-ce que j'ai passé du temps sur ce jeu de cartes, hein. Salle d'études, entre guillemets. Je suis en train de prendre tous les plis. Bon, bah, quitte à jouer du carreau, de toute façon, là,
quoi qu'il arrive, je suis obligé de prendre les derniers pis. J'ai pas le choix. Voilà, allez, la dame de pique, elle est gratuite. Elle était en promo. Hop là. Ça va le lag? 24. Non! L'autre, il a pris un point et un point, quoi. À deux points près, je l'ai redistribué entre les autres. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il a, le jeu? On se calme? Non, mais. Trèfle. Bah, en même temps, oui, forcément, trèfle. Mais. Mais j'ai pas tant de réflexion que ça. Qu'est-ce qu'il a le jeu? Les fameuses salles d'études dans lesquelles tu faisais moins de devoirs que de jeux et de... Ouais, je confirme. Enfin, quoique au collège, en salle d'études, on était assez silencieux. On n'avait pas vraiment le choix. Enfin, on travaillait pas forcément pour autant. C'était compliqué de se concentrer avec tout ce monde, même si c'était pas très bruyant. Donc on faisait soit des jeux de cartes, soit des morpions, soit des pendus, le jeu, il fallait les carrés sur les feuilles à carreaux. Je sais pas quel nom ça porte ce truc. Des batailles navales, des choses comme ça. On se faisait passer des petits mots et tout. Au lycée, c'était plus tranquille parce qu'au lycée, il n'y avait pas vraiment de salle d'études. C'était des salles accessibles à tout le monde. Mais là, par contre, on bossait un peu plus. Il y avait un examen un peu plus important déjà. Donc c'était plus bruyant. Mais on bossait en groupe. On bossait en groupe, donc c'était plus intéressant déjà. Punaise, je vous parle d'un truc, mais ça remonte à loin là. Oui, j'arrive. Oui, c'est par chez moi, c'était Babyfoot, Flipper, Président et Magic. J'ai eu une période Magic aussi, ouais. Le Babyfoot au lycée, il était à la cafétéria. Il y avait la cantine, le réfectoire, mais il y avait à côté de ça la cafétéria où il y avait deux Babyfoot, je crois. C'était pas un Flipper. Je me souviens plus. Et la cafette servait du café, du thé, du chocolat, des barres chocolatées, des jus de fruits, toutes les conneries les plus sucrées possibles. Et c'était une personne en particulier qui tenait ça. Mais du coup, c'était là-bas où si on voulait faire un baby-foot, il n'y avait que là-bas. Elle m'a jamais quitté ma période Magic. J'ai tenté de m'y remettre à l'automne dernier. C'était pas simple. C'était vraiment pas simple. Parce que j'ai tout perdu. Toutes mes connaissances, tous mes réflexes Magic, j'ai tout perdu. Et pourtant, j'y ai joué il y a longtemps aussi, mais en ligne. C'était sur Steam, je crois. Mais ça laguait tellement que j'y suis pas resté longtemps. Faudrait que j'enlève mon 10 là, le 10 il me gêne. J'enlève maintenant. Je crois qu'il a pris tous les plis le bleu là, non? Il me semble là. Le bleu il est en train de nous avoir là. En plus maintenant il sort un nouvel effet à chaque extension. Oh punaise, ok d'accord. S'il y a tout un lexique à apprendre encore plus que ce qu'il y avait avant, déjà que le jeu était très complet au moment où je l'ai connu. Ça va devenir compliqué quoi. Ouais, le bleu il est en train de nous la mettre à l'envers. C'est pareil sur Hearthstone, je suis pas mal joueur de Hearthstone, je suis pas très bon mais j'y joue de temps en temps. Et à chaque extension, pareil, il nous place. Ouais, bravo le bleu, 26 points chacun, punaise. Et à chaque extension, pareil, il nous sort des nouveaux mots-clés, des nouveaux effets. Au bout d'un moment, c'est plus possible quoi. C'est plus possible. Je me suis intéressé aussi à Legends of Runeterra au début. Jusqu'à la deuxième extension, troisième, je sais plus. Et c'est dommage, il est super intéressant, encore plus technique et plus poussé que Hearthstone. Mais je sais pas, je suis pas retourné dessus.
vrai, ça va, l'effet reste dans son extension. Et si les gens le trouvent vraiment bon, on peut le retrouver dans... D'accord, c'est fichu comme ça. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, dans ce cas, ça peut être assez, assez intéressant, ouais. Tu jouais quelle couleur sur Magic? Noir, blanc... Rouge. Noir, blanc, rouge. J'ai pas mes... Je dois avoir des decks quelque part derrière moi. Je sais pas où ils sont. Mais ça remonte à loin. Hein. Même si j'ai, ouais, ça, j'ai essayé à l'automne de m'y remettre, mais j'étais un peu perdu. Mais j'ai encore un deck noir. Non, je crois que j'ai blanc et rouge là sur pas loin. Où est-ce que je les ai mis? Faudrait que je passe derrière dans le truc vert. J'ai la flemme. Et là c'est le jaune qui va nous la mettre à l'envers quoi. Ah mais attendez, quoi que. Si l'un de nous là récupère tous les points, le jaune part. Si c'est un de tout le monde là qui récupère tous les points, c'est moi qui pars. Je suis un peu dans la panade là. Un peu beaucoup même. C'est la fatigue qui commence. J'ai remporté un pli. Donc, les points ne seront pas redistribués. Mais j'ai pas forcément envie de prendre tous les points non plus qui restent. Parce que j'ai pas beaucoup de points là. Il me reste 14. Bon, bah, j'ai perdu. Okay. Oh purée, non, c'est bon, ça va. Il a mis un 8. Ah, mais ah, j'ai remporté des points ou pas là, en fait. J'ai remporté le pli, mais j'ai pas forcément remporté de points. Oh. Je vois un cœur. Bon, je crois qu'on a perdu. Je crois que le jaune... Enfin, je crois que j'ai perdu, surtout. Les autres, ça va. Et non, c'est bon, ça va. J'ai pris un point, le vert en a pris 4 et le jaune 21. Il reste un point au jaune. Un seul point. Ça se joue entre lui et moi. Si l'un de nous deux perd, c'est fini. Mais je préférerais que ce soit lui qui parte que moi, quand même. Ce sera plus agréable. L'énergie du désespoir. Pardon, je relis. Noir, blanc, duo incroyable, ange, vampire, meilleur combo que j'ai. C'est vrai que ça va bien ensemble. Ça me parle de loin, mais ça me parle. Je retrouve mes deux trucs. Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Non, ils doivent être dans la pièce derrière, loin derrière. C'est pareil à l'époque du collège. Par contre, là j'ai juste deux petits decks. Mais à l'époque du collège, j'en avais tellement d'écart. Tellement. Et avec le temps et l'oubli, le fait de pas y jouer, enfin d'avoir ne plus trop y jouer pendant un moment, eh bien, je les ai probablement perdus. Et ça m'embête. Vraiment, ça m'embête énormément parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Ça tenait dans plein de boîtes différentes. Et maintenant que je suis conscient de la valeur en euros des cartes Magic. Bon, d'autres aussi, mais vraiment ça, je me dis que j'ai très certainement perdu avec des cartes Magic plusieurs milliers d'euros, sans aucune hésitation. Parce que j'avais peut-être pas les cartes les plus rares du monde, mais j'avais des cartes rares. Et ça, c'est clair. Ça, je m'en souviens. J'ai plus forcément les noms en tête, mais elles étaient recherchées. Quoi. Et là, elles sont perdues à jamais, parce que j'ai déménagé plusieurs fois entre-temps. Donc, même si je suppose que je les ai pas perdus en déménageant, mais bon, il y a eu du ménage qui a été fait, voilà.
C'est pareil, les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, j'en avais beaucoup aussi. Il y en a une que j'avais en particulier. C'était la carte Mewtwo de la sortie du film Pokémon premier du nom. Sauf que à ce moment-là, sur la carte, c'était pas écrit Mewtwo, c'était écrit de Miaou. Et maintenant, cette carte, alors elle est pas extrêmement rare, mais elle reste rare. Et je sais que j'aurais pu la vendre assez cher. Mais pareil, un pull perdu. De Miaou. Mon deck, brièvement. Si je gagne des points de vie, donc t'en perds. Si je gagne des points de vie, j'augmente en puissance. Oh, bien. De Miaou, je l'avais aussi, machine à laver. Oh non, le pire, la machine à laver. Ah, je crois que ça me désespérait encore plus de ne pas savoir, enfin, de la perdre en machine à laver que de ne pas savoir où, comment je l'ai perdu. Oh, punaise, la machine à laver. Quel... Ah, ça me ferait mal. Rewedios. Ça va, Wedios? Pas trop fatigué? Vu l'heure qu'il est. Ça va. Ouais, moi je commence à fatiguer. Donc, je devais faire de la lecture ce soir, mais je la repousse à demain. Cela, tant pis. Je rajoute un stream pas trop prévu demain. Et en plus, ça clôturera parfaitement. En vrai, la campagne s'arrête demain à minuit. Donc, dans 23h maintenant. Donc il y aura un stream demain soir tard, exceptionnellement. Et ça permettra de faire un vrai bilan et d'enchaîner avec de la lecture. Je viens te border. Ah ouais, franchement, ouais. Clairement. Allez, fin de partie, je suppose. Oh yes, fin de partie. Le vert a réussi à choper 2 points, ça s'est joué de rien du tout. Le jaune a essayé de nouveau de la mettre à l'envers, sauf qu'il s'est fait avoir et du coup il lui restait un point. Et c'est dommage, il se retrouve à moins 23. C'est vraiment dommage. Et je finis 3ème, mais vraiment à un poil. Le vert, il s'est sacrifié pour l'humanité, du coup il a perdu pas mal de points, mais ça a été. Pendant ce temps, le bleu, il a fait sa petite vie tranquillement. Il l'a regardé de loin, il a fait bon, je mets mes cartes et tout. Allez, on va en refaire une et du coup, je mets le lien sur le chat. Je viens te border en restant habillé, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai pas dit GG. Voilà. Allez, dame de pique. Alors, attends, parce que je dois te... Enfin, pour passer un lien, comment je fais? Partez-vous le même écran que votre ami? Non. Votre ami? Oui. Quel est le nom de joueur? On va faire autrement. Voilà, copier, hop là. Je mets le lien dans le chat. Ouais, mais c'est plus simple. Donc, Aurel, si j'ai pas oublié, tu peux rejoindre comme ça. Les autres, hein, si vous voulez rejoindre aussi, allez-y. Hein. Je laisse 1-2 minutes, mais si vous voulez jouer à la dame de pique, faites-vous plaisir. C'est pas tous les jours qu'on met des liens de partie dans le chat, hein. Vraiment, normalement on fait pas ça. Mais bon, on est entre nous. En attendant, suivez la campagne patati patata. Suivez les réseaux. Le Twitch, abonnez-vous. Rejoignez le Discord. Etc. Je m'installe dans le canapé pour te mater tranquille. Installe-toi donc. Vu l'heure, perso, je serai plus dans mon lit que dans le canapé, mais... Quoique on est samedi. Non, vu un samedi, je serai sur le canapé aussi. La meilleure commu du monde, j'avoue, c'est clair. Des anciens Divalis, des gens autour d'Ivasound, des gens, des amis d'amis d'Ivasound, franchement, je pourrais pas rêver mieux. Comment je fais désormais? Oui, pardon, je lance la partie, pardon, excuse-moi, oui. Ouvrir la table à d'autres joueurs, oui. Et là, on attend. Et là, normalement, tu vas avoir une notif, Gorgasme, et tu dois valider. Moi aussi, je m'installe pour te mater. Fap, fap, fap. Oh, de suite, dit-il. Surtout toi.
Allez, tout le monde est présent. Gorgasme, ok, je te vois ici, c'est bien. On est avec un Italien et un Polonais. Enfin, un ou une. Hein. Je ne juge pas. Sacré daft. Vous devez choisir trois cartes à donner au joueur à gauche. Donc, je dois choisir trois cartes à donner à Catlon. J'ai pas énormément de grosses cartes. Vas-y, j'ai un seul cœur, je vais donner le cœur. Comme ça, j'ai pas de cœur. On va voir comment ça se passe. Une partie sans avoir de carte de cœur. Oh, ça va, on m'a pas refilé des grosses cartes. Cool. Je vais dodo, demain j'ai du monde à midi. Bonne nuit, repose-toi bien, dors bien, bon courage pour demain. Et on se capte, Jake. Ah bah, avec grand plaisir, tu le sais, toi. Depuis le temps maintenant, faut pas hésiter. C'est vrai, je prends pas énormément de nouvelles. Mais je pense pas moins à... aux anciens Divalis pour autant. Surtout certaines personnes comme toi. T'inquiète pas. L'orgasme doit choisir une carte. L'orgasme joue le 2 trèfle. S'il n'a pas le choix que de jouer autre chose que le 2 trèfle. Donc session 2 trèfle. Allez, repose-toi bien, Mister FR _ Beyond. Du pic. Une belle dame de pique a été placée là. La dame de pique, magnifique. Personne s'y attendait. Bravo, bien joué Gorgasme. Gorgasme. Oh, Aurel, bien joué Aurel. Voilà, ce sera plus simple. Il a quoi de plus à faire Beyond? Il a quoi de plus que moi? Je le connais depuis très longtemps. Maintenant. Je le connais depuis très très longtemps. Mais t'inquiète pas, Wedgeos. Monsieur FR Beyond troll un peu, il n'est pas du même bord que nous. Je le connais depuis très longtemps, ouais. Ça va faire... Punaise, ça fait plus de 10 ans. Et voilà, coup de vieux dans la tronche, génial. Je te rassure, ça m'amuse de faire ça, je suis pas... Non mais je me doute bien, voyons, quand même. Je me doute bien. 3 de cœur. Je vais quitter, je suis en vocal Discord, mais en fait, ça sert à rien, je reste en vocal Discord. Hop là. Tac. Du carreau. Oh, bah, il y a un as de carreau, ça va, je suis tranquille. Du cœur. Le pli ne sera pas pour moi. Tant mieux. Du cœur de nouveau. Bon, bah, vu les cartes qui me restent, normalement, je prends pas de pli. Hein. C'est quoi comme jeu? C'est la dame de pique. La dame de pique. Donc, c'est un jeu de 52 cartes, des cartes classiques. Réparties entre les 4 personnes. Donc, 13 cartes par personne, si je me trompe pas. Et l'idée, c'est quand quelqu'un joue une couleur, on est obligé de jouer la même couleur. Si on n'y peut pas, on joue autre chose. Et c'est là où on essaie de placer les points. Si il y a quelqu'un qui remporte un pli avec du cœur dedans, c'est un point par carte de cœur récupéré. Si une personne récupère la dame de pique, c'est 13 points directement. Les autres cartes ne valent pas de points. La personne qui a le plus de... Enfin, il faut pas prendre de points, quoi. L'idée, c'est de ne jamais avoir de points. Par contre, si une personne récupère l'intégralité des points, c'est-à-dire la dame de pique et les 13 cartes de cœur... Il y a combien de cartes? 13 ou 12? Je sais plus. Tous les cœurs. Si une personne récupère la dame de pique et tous les cœurs,
La personne a très bien joué parce que du coup ça permet de mettre 26 points dans les dents de tout le monde, de tous les autres adversaires, sauf la personne qui a récupéré les points. Donc là en l'occurrence, moi j'ai pas récupéré de points et les plis ont été partagés de points entre 16 pour Calacathlon qui a récupéré beaucoup de points, 3 pour Gorgasm et 7 pour le. En vrai, c'est un jeu très simple à prendre en main, faut juste être un peu réfléchi et stratégique, chose que je ne suis pas forcément après une certaine heure. Là, j'essaie de faire des gros efforts. Joli 0 point, ouais. Mais en même temps, j'avais une main qui m'a pas mal favorisé. Ça a l'air sympa. Ouais, en vrai, c'est sympa. Faudra que je vois s'il y a le président, par contre, sur... Ah oui, de trèfle, c'est moi qui commence. Faudra que je vois s'il y a le président sur Bordelais et Marina. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Par contre, me demandez pas de jouer à... Comment ça s'appelle ? C'est pas le Blackjack, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un jeu de cartes, j'ai jamais rien compris des règles. C'est un jeu qui avait sur Windows. Il y avait le solitaire, il y avait autre chose en même temps, un jeu de cartes sur Windows. Et c'est pas le Spider solitaire non plus. C'est un autre jeu de cartes dont j'ai totalement oublié le nom. 3, 5... Comment ça s'appelle ? Fricel. Ça doit être Fricel, je crois, ouais. Fricel, ça doit être ça. J'ai jamais rien compris. Bridge. Bridge, j'ai jamais joué. Donc je ne sais pas. Pourtant, j'ai déjà vu des gens en vrai y jouer, mais je m'y suis pas intéressé. Donc je ne sais pas si je saurais jouer au bridge ou pas. Bon, là, comme ça, je connais pas, donc je ne peux pas savoir. Trèfle. Eh ben. Le clic m'a fait peur. Carreau. Carreau de nouveau, je peux jouer tranquillement. On va virer l'as de pique qui me dérange. Tu connais Board Game Arena, toi, Wadjus? C'est un site, c'est sur navigateur. Et c'est plein de jeux de société de plus de 350. C'est totalement gratuit. Bon, il y a un premium, mais c'est quand même tout. Bon, en vrai, il coûte que dalle. Mais sinon, c'est y a des centaines de jeux gratuits. Donc ça peut être des jeux comme ça, des mini-jeux de société, ou des gros jeux de société comme Seven Wonders, Concept, etc. Et l'interface n'est pas très très belle, mais... ça permet de jouer à des jeux de société à distance avec des potes. Et tous les jeux de société qu'il y a sur le jeu, sur la plateforme, existent tous en physique. Tous. Normalement, je suis bon là, non ? 0 points de nouveau. 20 points pour le bleu, 3 points pour Gorgasm et 3 points pour le rouge. Le bleu, il commence à être en mauvaise posture. Alors, je dois donner 3 cartes. Ah ben, j'ai pas des grosses cartes non plus, là. Je vais donner du pique et du cœur. Allez. Ou alors, jeu d'alcool, mais avec modération en arbitre. Je suis pas très jeu d'alcool. Ou alors si je regarde de loin et je m'occupe des gens qui se sentent pas bien. Vraiment le jeu d'alcool, non. Non, non, non. Mais oui, toujours à l'alcool, quoi qu'il arrive, à consommer avec modération, bien sûr. Faut pas abuser, etc., etc. Celui qui conduit, celui qui boit pas, voilà, on peut tous les enchaîner. Hein. Premier pli, le bleu n'a pas de trèfle. Ça sent pas bon, ça. Je tente un roi de trèfle quand même. C'est bon. Je récupère la main et je vire direct le 2 de pique. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas prendre la main. Ah, punaise, je me retrouve avec la dame de pique. Mince. Faut que je la place au bon moment, celle-là. J'ai mon permis, mais pas de voiture. Bah, pareil. J'ai mon code depuis...
2006. Je crois que c'était en 2006 que j'ai passé le code. Et j'ai le permis depuis très exactement depuis le 13 novembre 2008. Ça, je retiens la date. Ça m'a marqué. Donc ça a fait très longtemps maintenant. Et je n'ai plus de voiture depuis 2015. Pour plusieurs raisons. J'ai bien évidemment reconduit plusieurs fois depuis, mais personnellement, je ne possède plus de voiture. Je me déplace principalement à pied, à vélo, et en ce moment en TER, enfin en train quoi. Un peu en bus, un peu en métro, vraiment transport. Donc ouais, j'ai plus de voiture. Mais déjà parce que j'ai eu un accident tout seul. J'ai eu un accident tout seul, c'était un accident très con, mais bon, j'ai eu un accident quand même. Donc la voiture, elle a fini en cube. Je sais pas du tout comment j'ai réussi à m'en sortir. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment j'ai réussi à m'en sortir. Mais vraiment pas. C'est pas normal. C'est aussi ce qu'ont dit les forces de l'ordre. Ce n'est pas normal. Mais je m'en suis sorti. Et quasiment sans rien en plus. Hein. C'est pas normal. Mais vraiment, c'est pas normal. Parce que j'aurais eu quelqu'un, que ce soit passager ou derrière, il n'y avait plus personne. Donc vu l'état de la voiture, c'est bizarre. Ou alors c'est que je suis déjà dans l'autre monde et que je vis bizarre. Non, non, on va éviter le complot. Et par ensuite, parce que j'ai pas recherché à récupérer de voiture parce que ça coûte cher. L'entretien d'une voiture coûte cher. L'assurance, ça coûte cher. L'essence, ça coûte cher. L'État pose énormément de taxes sur l'essence. Ça m'embête un peu. Tac. Comment ça? Ah, j'ai pas le droit de jouer de cœur pour le moment. Et par souci et économique et énormément quand même écologique aussi, c'est aussi pour ça que je ne me déplace en voiture que en cas de stricte nécessité. Donc dans ce cas là soit j'emprunte une voiture à quelqu'un, soit je loue une voiture, mais sinon aujourd'hui c'est je revendique par ces valeurs là de ne pas posséder de voiture. Ça m'handicape un peu pour certaines fois, c'est vrai, mais la majorité du temps, je me dis qu'aujourd'hui, une voiture me coûterait plus cher que si je devais vraiment l'utiliser. C'est aussi pour ça. I see dead people. Ouais, c'est toujours aussi séduisant. Mais ça va, oui, arrête. Putain, celui-là, alors. Ah mais je peux mettre la dame de pique. Allez, on vire la dame de pique. C'est pas le rouge qui est en train de prendre cher là? C'est le rouge hein, qui prend cher là. Ou alors il est en train de nous la mettre, attendez. Non, c'est le rouge il est en train de prendre cher. Ah non, c'est le bleu. Ah, le bleu a plus de points, d'accord. Ah, j'ai pris 3 points. Bravo Gorgasme. Le petit zéro là, bravo, bien joué. Franchement, propre. GG. Je t'avais dit que j'étais joueur aussi. Ouais, c'est pas du joueur là. J'ai 3 as. Ils m'ont foutu 3 as dans la main. Mais non, les gens, non. Ah, excusez-moi. Je suis en position qu'il faut pas. Je suis à genoux, à moitié assis sur le fauteuil. Mais j'ai besoin de me redresser le dos et c'est le seul moyen que j'ai pour me redresser le dos. Redressez-vous votre dos aussi. C'est important, le dos. Pas de dos. Ah bah, c'est chiant. Si je joue mon as, faut être sûr que quelqu'un d'autre joue trèfle à côté, quoi. T'as 3 as, j'ai la dame. Ça va être plus simple à placer la dame, hein, quand même. Ah, c'est à moi, pardon. Le mec, il baille aux corneilles, quoi. Pas de dos, pas rigolo. Ouais. Oui, oui. J'ai toujours eu des soucis de dos. Donc, c'est pas drôle du tout. J'en
en a eu d'importants en plus tout le long du premier confinement et deuxième confinement. Je me suis bloqué. Petite sciatique hernie discale de l'amour là. Résultat, en février dernier, hop là, je suis passé sur le billard. Je me suis fait opérer. Et je suis censé avoir fait de la kiné. J'y suis pas allé. Mais je fais gaffe quand même depuis. Mais j'ai quand même repris le vélo. Au bout d'un mois, j'ai fait, bon, ça va, je reprends le vélo quand même, j'en ai marre là. Je suis pas très sportif, mais j'avais besoin d'exercice. Je vous raconte ma vie, mais n'importe quoi, quoi. La dame. Oh purée, t'as récupéré la dame. Faudrait que je me trouve une playlist libre un peu plus rock. Surtout pour ces heures-là où le sommeil commence à arriver. Un petit comité, c'est carrément ok. Oui. Oui, oui. Je suis doué pour faire parler les hommes. Attention, hein, parce que y a des choses que je garde pour moi. Mais les cœurs, ils sont pas tombés, ça m'embête, là. Non, mais laissez-moi réfléchir, le jeu. 2 minutes. Ben non, 2 minutes, c'est 20... j'avais 20 secondes, pas plus. Voilà. Maintenant que je peux jouer les cœurs, c'est plus tranquille. J'ai pris le pli ? Non, ça... Donc je vire l'as, vu qu'il a posé du pique, j'ai le droit de virer mon as de cœur, ça me posera pas de problème. Je pense que j'ai pris pas mal de points dans cette manche. Ah vas-y. Vas-y Gorgasme, on croit en toi. Ah. Grosse hésitation. Non, du cœur. Ah, il a mis le valet, donc je sors le 9. Mais j'ai encore un roi de cœur dans les pattes. Hein. Oh, c'est que d'accord. Au revoir, le roi de cœur. Au revoir. Fais un bon voyage. Et enfin, le 8. Le pli sera pour le bleu. Et... Ah non, j'ai mis 0 points. Oh, okay. Et 0 points pour le rouge aussi. 14 pour Gorgasme. Désolé. 12 pour le bleu. Alors, on vire l'as, on vire le valet et le 10 de cœur. Ouais, cette manche-là, elle t'a fait mal. Ça va, il y a le bleu, il est en très mauvaise posture. Mais elle t'a fait mal, ouais. Celle-là, elle pique comme la dame. Bravo. Comme la dame de pique. Oui. Oui, oui, bah oui, 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 oui. On peut pas dire le contraire. Bon, je me retrouve avec une dame de pique dans les pattes. C'est pas bon. Il peut arrêter le chrono là, le chrono du navigateur et... Casse bonbon. Bah oui. Les jeux de mots, j'aime beaucoup ça et c'est vrai que celui-là il était très très perturbant. Il y a un bouton mute. Ouais mais s'il y a le bouton mute, j'entends pas les plis. Ou alors faudrait choisir spécifiquement quels sont on veut et quels sont on veut pas. Du carreau. Bon ça va, si j'ai que du plus petit, ça devrait le faire. Ouais, il est là. Ah, je peux le baisser. Hop là. Du carreau de nouveau. Pic 2, 3, 4. Ben, je vais jouer le 3. On va pas jouer la dame de pique maintenant. Ouais, j'ai bien fait de pas jouer autre chose. L'autre il a mis un 7. Du trèfle. Bon, ben là ça risque d'être pour ma pomme.
Ah non. Oh, t'avais pas d'autre choix que de jouer de la... Oui, non, mais c'est du trèfle, ça va. Non, non, j'ai rien dit, t'as bien joué. J'ai rien dit. Bien joué. Mais c'est moi qui ai le pli. Bah, le 2 de cœur, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas avoir le pli. L'as de cœur, ok, bon, bah, c'est bon. C'est le rouge qui a le pli. Là, c'était le moment de mettre les points. Du cœur de nouveau, aïe. Aïe, du cœur de nouveau, aïe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me débarrasse du roi? Mais j'ai des cartes moyennes, hein. Donc dans ce cas, je mets le 8. Je prends pas le pli et on va voir comment on se débrouille sur la fin. J'ai très peur pour la dame de pique, là. Du trèfle, parfait. La dame de pique, elle sort. Hop là. Au revoir, les 13 points. Du trèfle de nouveau, parfait. Le roi de cœur, il sort. Parfait. Allez. C'est un duo de roi et de reine, en plus. Allez, le 10 de pique. Au revoir. C'est bon, ça va. J'ai peur. J'avoue que tes plis, ça m'inquiète un peu aussi. Mais non, ça va. T'as fait zéro. T'as fait zéro. Moi, j'ai pris un point. Et le rouge a pris 25 points. Parce qu'en fait, le rouge, il a tout ramassé. Sauf un point que j'ai pris. Si le rouge avait pris tous les points, eh bien, en fait, on aurait eu chacun 26 points. Sauf le rouge à zéro, il était tranquille. Donc, je me suis sacrifié pour l'honneur de l'humanité. Désolé, le rouge. Tu parles, je crois que j'ai même pas fait exprès de prendre le pli en plus. Ma main à la fin c'était deux rois, deux as et deux valets. Ouh. Ah oui. Ah oui, en effet, ouais. Du trèfle. Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser de prendre la main ou pas? De prendre le pli. Oui, donc le roi de trèfle, il s'en va. Je prends le pli. Je place mon 4 de pique. Normalement, ça doit bien se passer. Voilà, c'est bon. J'ai quand même 5 figures dans la main. Du trèfle. J'en ai pas énormément. En trèfle, il y a le 2, 18 qui est sorti. Le 3 et 4 est encore quelque part. Je vais tenter de jouer le 9. Et normalement, ça doit jouer en bas. 6. As, bravo. Bravo, bravo. Comme ça, tu remets la main, tu prends 0. Tu prends le pli, mais tu prends 0. Donc c'est bien. Et là, c'est toi qui dirige 7 manches. 2 de carreau, du carreau, d'accord. As de cœur. Eh bien, on va pas jouer le roi de carreau, hein. On va jouer petit. Et là, lui, il sort le 3 ou le 4. Ah, la dame. Ah, d'accord. Mais pourquoi il veut de nouveau retenter d'avoir les plis? Il veut de nouveau essayer de nous avoir en remportant tous les plis, celui-là? C'est pas conseillé. Bon, du cœur. Valet. Bah, j'ai qu'un 2 de cœur, mais j'aurais aimé le garder, en fait. Donc soit je me sacrifie pour l'humanité et je prends des points. Mais j'ai pas envie. Ok, c'est le bleu qui... Bah c'est le bleu qui est pris. Bon, je comprends plus rien, je suis fatigué. C'est bon, ça va. Normalement, les points sont déjà partagés. Normalement. Bon, du trèfle, pardon, je n'ai qu'une carte. Je n'ai qu'une carte de trèfle. Retour du cœur. Ah là, par contre, ça va. Là, c'est pour moi. Si l'as ne sort pas, c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi. Allez, je mets le roi. On va jouer. Mais j'ai que des figures là. J'ai que des figures. La dame de pique, elle est sortie ou pas? Je crois que la dame de pique n'est pas sortie. Oh, je vais me retrouver avec la dame de pique dans la main. Dans le pli. Du coup, on va bluffer. Et si je tente le valet de pique? C'est un pli à zéro, sérieusement? En carreau, il reste quoi?
Je tente le valet de carreau. Oh, la dame de pique, ça y est, elle est tombée. Non. Bah, j'ai joué avec le feu. Bah, de toute façon, là... normalement, je perds les trois plis, donc autant les perdre avec dignité et les assumer, voilà. Allez, c'est pour moi. Là, c'est plus un sacrifice pour l'humanité, c'est je me fais déchiqueter pour l'humanité. Hein. 21, le rouge a pris 1, le bleu a pris 4. C'est pas grave. Du coup, Gorgasme, tu te retrouves premier au classement. Je vais virer la... Non, je vais la garder. Je vais garder la dame de pique. Je vais la garder. Gorgasme, premier au classement. Le retour du zéro. Ouais. Faut jouer le 2 trèfle, Gorgasme. Tu n'as pas le choix. Je vous laisse, bonne nuit ici. Bonne nuit, Wedgeos, repose-toi bien. J'avais pas joué à ce jeu depuis des années, quel plaisir. Ah ouais, il est tendu, hein. Carreau, 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 je joue le 5. Le pic. Le pic, c'est dangereux pour moi. Vu que j'ai gardé la dame de pique, c'est dangereux pour moi, le pic. On va sécuriser. Petit carreau. Le 3. L'as de cœur qui sort. Le valet de trèfle. Ah non, il n'y a pas personne. Non. Ah, j'ai eu peur. Mais il a mis du 4 de carreau. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui a du carreau? Ça veut dire que j'ai gardé deux figures de carreau, là? Ça va être rude de les placer. Je bug. Non, il a encore un carreau. Mais il aurait dû le mettre avant le 7. Parce que là, si je suis le dernier à avoir du carreau, parce que vous deux, vous en avez pas. Mince, j'aurais dû mettre le roi, du coup, si j'étais sûr que vous deux, vous aviez pas de carreau. Voilà. C'est pas intelligent. Je vais jouer trèfle. Carreau de nouveau. Je sais que je suis mauvais là-dessus. Donc autant prendre le pli. Et oui, bah oui, forcément. Je crois que je vais finir les carreaux parce que là... on n'est pas bon, pas bon, pas bon. Vas-y. Je tente ça. Je tente ça, on verra bien. Oh oui, c'est bon. Désolé, Gorgasme. Non, du cœur, non. Non, c'est pour ma pomme. J'ai une dame de pique dans les pattes, sérieux. J'espère qu'il y a du trèfle plus haut. Hein. Non. Non, non, non. Non. Mais non. J'aurais dû virer la dame de pique. 22, j'ai tout pris. 0 pour Catlon, 3 pour Gorgasme, 1 pour le bleu, les Ormemiki, italien. Et 22 pour ma pomme. Ah, dommage. Et 2 trèfles. Je suis en train de rattraper le rouge en termes de points perdus, là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pique. Ouais, je vire le valet. Normalement, je prends la main. Ah non, oui, c'est ça. On va continuer sur pique avec le 5. Là, c'est lui qui prend la main. Avec le... voilà, c'est bon. Bien joué, roi très bien placé, bravo. Du carreau, oh génial, je peux placer la dame en sécurité.
Hop là, au revoir la dame de carreau. Du carreau toujours. Il essaye de faire l'intégralité des plis. S'il fait l'intégralité des plis, on perd. Hein. Enfin, le bleu perd. Oh là là. Ouais, il veut faire l'intégralité des plis. Mais là, je suis bloqué. Je n'avais pas eu le choix de jouer mes cartes correctement. Donc, c'est compliqué. Et je peux même pas placer de points vu que je n'ai pas de points dans la main. Hop là. Oh là là, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Ah, il hésite. Il hésite beaucoup. Donc peut-être qu'il se retrouve handicapé dans sa main. Il sait pas quoi jouer. Ça devient tendu. Ah, dame de cœur. Mais j'ai pas de points moi de toute façon, donc je peux rien faire. Il a quand même remporté le pli ici. 7 de cœur. Il y a plus de cœur ? Si, as de cœur. Ok, c'est bon, on est sauvé. Le bleu se sacrifie pour l'humanité. C'est parfait. Je vire un pic. Hop là. Désolé pour toi, rouge. Mais tu viens de perdre la partie, je pense. Il y a de grandes chances qu'il ait perdu la partie, même. Il y a de très grandes chances. Allez, je me prends un point dans la main. Non ! Je prends 13 points ! Attends, il y a eu quoi? 3 de trèfle. 7 de trèfle. Pique et pique. Ok, j'aurais quand même pris la dame de pique, même avec le 5. Oh punaise, les 13 points! Allez, au total, je prends 13 points. Le rouge en a 8 et le bleu a quand même pris 5 points. Bravo, Gorgasme! Le petit 0 là. Et franchement, GG. Hop là, on enlève ça, on enlève les têtes. Ça veut dire que le bleu est à 11, le rouge est à 14 et moi à 15. Et Gorgasme à 52. Gorgasme pourrait faire du bluff et remporter tous les points. Et dans ce cas, ça veut dire 26 points dans tout le monde. Tout le monde se retrouverait dans le négatif, sauf lui. Ça serait un super succès. S'il y avait un succès Steam ou un succès Board Game Arena pour ça, franchement, ça serait bien joué. Elle est tendue celle-là. Je viens de donner dame, roi, as de pique à gauche. Alors ta gauche, pour toi, c'est Ormé Mickey. D'accord. Ouais. Ça va être intéressant. Du trèfle. Non, mais fais pas ça, hein. Remporte pas tous les points juste parce que j'ai parlé de succès, joue la stratégique, hein. Conforte-toi. Sécurise-toi. Parce que si quelqu'un prend ne serait-ce qu'un point, c'est toi qui prends tout dans les dents. Tout va bien. Ok, mais t'as quand même filé les figures en face, quoi. Enfin, en face, à gauche. En face, c'est moi. Je pouvais jouer que mes trèfles. Ok. Si on prend la dame de pique, que ce soit jaune, rouge ou bleu. C'est moi qui prends la dame de pique, sérieusement.
Sérieusement? Ah, 15 moins 13, 2. Il me reste 2 points de vie, là. Il me reste 2 points de vie. J'ai plus le droit de prendre un pli, hein. Si je prends 2 cœurs, c'est fini pour moi. Sale nounours. Non. Ouf. Du cœur, j'en ai pas. Je vire mon carreau. Madame de carreau. C'est long une partie de dame de pique en vrai. Du cœur, j'en ai pas, je virerai mon 7 de pique. Ah non, j'ai un 10 de carreau là. Je vire le 10 de carreau. J'ai toujours pas de cœur. Il n'y a pas tellement de piques qui sont sorties. Mais bon. Continuons sur les carreaux. Du cœur de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait, Cathlon? Qu'est-ce qu'il fait, le rouge? Pourquoi il récupère les plis alors que la dame de pique, elle est tombée sur moi? C'est quoi sa stratégie? Il a juste marre de... Peut-être qu'il en a marre de jouer, en fait. Allez, fini. Fin de la partie. Non! Non, pas de fin de partie. Non, 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 ça continue. Ça continue. Probablement dernière manche. Bravo, Gorgasme, encore une fois. Et franchement, super fort. C'est impressionnant. La dame de pique, je la veux pas dans ma... je veux pas dans mes pattes, c'est mort. Désolé, désolé Gorgasme, mais tu vas te retrouver avec une dame de pique. Désolé. Deux, quatre et huit. C'est en train de nous exploser. Mais comme il faut, quoi. Du trèfle. Le bleu n'a pas de trèfle. J'en ai pas énormément, je vais supposer que le rouge en a. Hop là, roi. Est-ce que je refais pareil avec un 7? Comme ça, moi, je m'en débarrasse. 6. Si je joue un cœur, mais non! Si je joue du cœur, le bleu? Ah non, 9. Bon, ça va, il a joué carreau. Gorgasme qui prend la main. Du pic. On va rester safe. On va être le plus safe possible. Et si ça m'inquiète un peu même. J'ai quand même un assassin là. Aïe 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 aïe. Bon, je sais que c'est lui qui a que la dame de pique est ici. Ça, je le sais. Mais, si je vire mon as, est-ce qu'il met pas un cœur dans les dents? Les cœurs, ils sont sortis ou pas? Les cœurs ne sont pas encore sortis. C'est bon. Mon as est parti. Ça va. Ouf. Oh, mais j'ai un roi de cœur, là. Bon, je vire un carreau. Je vire un carreau. Il y a tous les cœurs, ils vont sortir en même temps. Ça va faire mal. J'ai plus de trèfle, j'ai plus de carreau. Donc je vais peut-être pouvoir me permettre de jouer les figures. Ah, bah du trèfle, parfait. Vu qu'il y a du trèfle, j'enlève mon roi de cœur. Carreau. Là, j'ai pas le... Non, non, non. Non, non, mais non, c'est pour moi, c'est bon, j'ai perdu, c'est officiel, 13 points, c'est officiel, je suis à moins 11 points. La dame de pique est sortie, je peux me permettre de jouer le valet. Allez-y, mettez vos cœurs, allez-y, là je prends tout, j'ai perdu donc... Sauve l'honneur.
reste deux piques, mais c'est deux piques moyens. C'est bon, je peux placer celui-là. Et enfin, dernière main. Dernier pli. Verdict. Moins 11, c'est à droite. Moins 11 pour moi. Moins 1 pour Katlon. Le bleu a réussi à s'en sortir. Et le bleu, il a fait 0 d'ailleurs. Gorgasme a pris 8 points quand même. Gorgasme, 44 points. Tu nous as explosé. Mais explosé. Un grand, grand, grand bravo. Franchement. Une telle différence de points, sans rire. Une telle différence de points entre le meneur et tous les autres, c'est impressionnant. J'ai rarement vu ça. Bravo, bravo. Incroyable partie, merci à toi. Ben, merci à toi, c'était très agréable. Par contre, ne m'en veux pas, mais je ne rejoue pas. C'est pas contre toi, c'est juste qu'il est 2h du matin. Donc je vais me stopper là.